dans le train direct pour Dourdan, une jeune fille fait des mots fléchés. Je ne peux pas l'en empêcher. C'est une occupation du temps. Comme des blocs en plein espace, les salariés bougent rapidement. Comme des blocs indépendants, ils trouent l'air sans laisser de traces. Le train glisse entre les rails, dépassant les premières banlieues. Il n'y a plus de temps ni de lieu. Les salariés quittent leur travail. La platitude de la mer dissipe le désir de vivre. Loin du soleil, loin des mystères, je m'efforcerai de te suivre. Métro, à peu près vide, rempli de gens semi-gazeux. Je m'amuse à des jeux stupides, mais potentiellement dangereux. Frappé par l'intuition soudaine d'une liberté sans conséquence, je traverse les stations sereines, sans songer aux correspondances. Je me réveille à Montparnasse, tout près d'un sauna naturiste. Le monde entier reprend sa place. Je me sens bizarrement triste. La platitude de la mer dissipe le désir de vivre. Loin du soleil, loin des mystères, je m'efforcerai de te suivre.